parfait. Tête sous les épaules, jamais défait. Entre les murs, il s'envole. Adepte du parcours, il contrôle. Il saute, il vire, il plane. Sur les toits de la ville, il flâne. Le vent dans ses cheveux. Duncan, l'ange qui rêve des cieux. Et il pousse, et il tire. Il s'élance dans les airs libres. Les obstacles ne sont que jeux pour Duncan, l'ange audacieux. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, Twitch et YouTube. On est là. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau live. Alors, il commence un peu à l'heure où je pensais. Voilà, je suis en train de manger. Donc voilà, vous allez avoir droit à des... On va essayer de pas faire de bruit de bouche évidemment, mais... Si je parle pas, c'est parce que je croque dans mon repas. Alors, on va se connecter au serveur. Alors, il y a eu des petites annonces sur Utopia aujourd'hui. On va en parler un petit peu le temps que le serveur se lance, que ça me télécharge ce qui doit être téléchargé. Alors. Annonce V2, parlons-en. On va la lire. Le RP va commencer sous peu, oui, encore un petit dernier minimum d'effort. En attendant, tant qu'aucun message officiel n'a été donné, l'économie est fixée, toujours en bêta, tout a été revu, que ce soit les prix des LTD ou même les salaires des jobs FA. Pour les entreprises, Under a toutes les réponses à vos questions, quel que soit le job. Comment cela va se passer? Dobra, donc, qui est le développeur du serveur, va reset l'économie et l'inventaire, un mal nécessaire. Croyez-nous, on en est désolé, mais on devait passer par là. Cela dit, dès que Dobra annonce que tout est reset, les entreprises pourront commencer à travailler, les voitures pourront être achetées et les métiers AFA seront disponibles. Tout abus de bug ou correctif sera sanctionné. Toutes remontées seront les bienvenues, on vous écoute et on vous lit. Ça, c'est normal. Avec Pazzo
Autre admin, un autre admin du serveur. Ce soir, nous mettons en place la police EMS, apprentissage de nos outils, quelques règles, tenues, véhicules, etc. Seul le code pénal pour la police et les joueurs manquera à l'appel. Il arrivera plus tard, rassurez-vous, on pourra quand même vous amender sans problème. Donc il y a un rendez-vous pour tous les policiers EMS à 21h30 ce soir en BDA. Voilà. Une fois que tout ça en place, nous aurons sur le plateau de jeu économie tchèque, métier tchèque, EMS tchèque, police nord et sud tchèque, gouvernement tchèque. Il ne restera plus qu'à mettre en place les groupes illégaux. Logiquement, tout est ok, et le RP commencera pour tout le monde. En gros, dès que Dobra annonce le reset, comprenez que les entreprises fonctionneront. Nous vous demanderons donc de vous comporter en jeu comme en RP. Fini de voler des voitures pour rien, de rouler comme des fous, du HRP, etc. Tout le reste sera géré en HRP dans notre coin. J'espère que c'est compréhensible, pas facile à expliquer par écrit. Aucune action illégale ne doit être commencée, SVP. Pour nous excuser de ce désagrément, voici ce qu'on vous offre. Baisse des prix aux concessionnaires, ajout dans quelques jours de voitures lore-friendly, gaps full opti qui remplaceront certaines autres et permettront de mieux ajuster les réglages. Rappelez-vous, nous avons tous envie de jouer et de profiter de tous les changements. Mais il faut bien que tout fonctionne comme il le faut, non? Et encore, beaucoup de choses viendront en temps voulu. Croyez-moi, ce n'est que le début. Dobra, Pazzo, moi, tout le staff travaille dur pour ça. Normalement, les entreprises seront reset ce soir. Normalement. Voilà donc les détails que vous devez savoir. Under possède le reste. Toutes les entreprises sont libres de fixer leurs propres tarifs. Entreprises de nourriture, boisson, bon ça ok, mécano, ok. Bon ça c'est le truc à voir, mais à savoir aussi pour nous. Demain, donc le jeudi, première soirée de vrai RP simple. Pas d'illégal, tout le monde rencontre tout le monde, on embauche, on se prépare, etc. etc. Vendredi, Utopia 2 commence. Donc, pour l'instant, pas d'illégal. On fait pas d'illégalité. On évite, je pense, de voler des voitures. Si c'est bien, si je me rappelle bien, attendez, j'avais posé la question. Voilà. Donc demain, le RP commence, RP civil. Et vendredi, le véritable RP sera en place. Et donc l'illégalité commencera aussi. En sachant que ce soir, je suis tout seul. Aaron n'est pas dispo. Apparemment, il est en panne au milieu de nulle part. Samuel a des petits soucis de maladie. Addison, pareil. Jackson, je sais pas. Orson n'est pas là pendant un petit moment. Et Terence, bah, c'est Under et il est occupé. Donc j'ai vraiment hâte de commencer l'illégal. Franchement. Demain soir, soirée RT classique, on va essayer. On va rencontrer du monde. On va essayer de rencontrer un peu de monde. Voilà. De mesurer un petit peu ça. Il n'y aura pas d'illégal. Donc voilà. C'est pas grave, il y aura du RP civil. Il faut du RP civil de temps en temps. On va essayer de construire un petit truc comme ça, construire un truc en live. Bon, par contre, c'est long. Hein. Il est long ce solaire. Excusez-moi, je mange, hein, j'ai faim. Ah, mais c'est l'inventory. C'est le truc le plus long, je pense. Y'a qui est en live, là, dans les coupes, hein? Enfin, les copains, non, ceux que je connais. Il y a Super Pazzo et Keija qui sont en live, mais ils sont en live, mais en même temps, réunion police.
C'est long, hein. On a le temps de s'endormir. Je vous mets une petite musique en attendant. Je suis en train de manger, donc bon. Tant qu'un calme est si parfait, tête sous les épaules, jamais défait. Entre les murs, il s'envole, adepte du parcours, il contrôle. Il saute, il vire, il plane, sur les toits de la vie, il flâne. Le vent dans ses cheveux, Duncan, l'ange qui rêve des cieux. Et il pousse, et il tire, il s'élance dans les airs libres. Les obstacles ne sont que jeux pour Duncan, l'ange audacieux. Il s'est déboîté la mâchoire, vraiment. Je l'ai vu dans le retour. Oh mon dieu. En gros, c'est le retour du live, donc il y a un retard. Mais purée. Sur le ciel de béton, courant sans rémission, cherchant la libération par cette illusion. Muraille comme horizon, grimpe en quête de frissons, envie de toucher le fond dans cet océan de béton. Je veux voler sans chaîne, danser sur chaque scène, libérer tout ce que j'aime au-delà de ce système. Ce qui défie les règles, sur les toits, je me délecte. Les néons comme des astres, dans mes rêves, je m'enlève. Au-delà des nuages, fuir ce paysage. Des pensées en marche, mon rêve sans ancrage. Je veux voler sans chaîne, danser sur chaque scène, libérer tout ce que j'aime au-delà de ce système. Je veux voler sans chaîne, danser sur chaque scène, libérer tout ce que j'aime au-delà de ce système. Les étoiles, ses amis, Los Santos, sans un bruit. Autonome, il avance, les rues comme son danse. Les lumières qui se renversent, dans la ville, il s'élance. Oh la nuit, elles sont voyantes. Sur les toits, ils s'envolent.
Il poursuit ses rires et ses tours, faire du temps.
le sang pose, je suis libre. Je cours volant, je suis l'ombre. Autonome, je me délivre. La cité à moi sans nombre. Les anges, moi, les chantent fort. Un qu'un règne sans aucun tort. Sur les rues, sur les hauteurs. C'est la vie, un conquérant rêveur. Connecté, ça peut être pour plusieurs raisons. Donc on va quitter. Peut-être que ça vient de moi. On va voir. On peut se connecter. Le serveur est tout ouvert? Oui, 29 personnes. Alors. Est-ce qu'il va bien vouloir? Ah, il m'a pas tout ouvert. Il télécharge tout. Bon, ça va vite. Ah, voilà. Voilà une bonne chose. Il nous met sur le serveur. Est-ce que vous voyez le jeu? On va voir. Oui, c'est bon. Je vérifie juste qu'on entend bien. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est good, c'est good. C'est du bon good. Ok, ok. Ah bah, putain. Puis quand ça se finit le chargement, nickel. Je vais juste. Est-ce que. Oui, nickel. Vous voyez bien le jeu. Vous avez tout parfait, les amis. Allez, on go in-game. Nouveau match. Vous avez matché avec Enora. Ouais, mais le problème, c'est que si c'est ce que je... si c'est comme il a dit hier. Allez, deux. D'ailleurs. Il n'y a plus rien, mais c'est... pour l'instant, ouais, tu m'étonnes. Insta pick. Pardon. Il y a un nouveau ici. Allez, on se casse. Voilà, ça fait lugubre. Ouais, vivant qu'on ait des moyens de locomotion, en fait, surtout. C'est surtout ça. Il n'y avait pas un moyen d'accéder au devant en passant ici? En passant du dos? Ah là peut-être. Ouais. Là où? Là. Voilà, tu sautes, tu tombes, hein, c'est clair.
J'aurais pu passer par la baraque, mais j'avais surtout une grosse flemme de refermer la porte. Grosso modo. Hop. J'ai juste un gros doute sur un truc. J'ai plus mon chat. Au pire du pire. Attendez, je suis en train de me demander un truc. Il y a un là. Il n'y en a qu'un. C'est quoi? Ah, non. Est-ce qu'on va... On descend pas? Ouais. Je sais pas si on peut voler des voitures, en fait. Enfin, si on peut encore voler des véhicules, donc... Bah, on va faire un tour en bicyclette. Allez. En fait, avec les nouvelles annonces, je sais pas s'il y a eu des annonces qui ont été faites, j'ai le droit encore de voler en véhicule ou pas pour aller en ville. Et j'ai pas tellement envie de tenter le job. C'est vrai con d'avoir une sanction. Le pool est pas encore ouvert. À monter celle-là. Elle est petite, mais... raide. Je vois la baraque, là. Putain. Abusé. Ouais, j'ai eu un flash. Ouais, mais c'est raide les conditions. Ah non, ça c'est un PNJ. J'ai cru que c'était un vrai joueur.
Ouais, il y a ça, mais c'est pas ouvert encore. Ah, attendez, parce que. J'ai un gros doute. Je relis l'annonce pour être sûr. Mais j'ai un énorme doute sur ça, en fait. Dès que Dobra annonce le reset, vous comprenez que les entreprises fonctionneront en vous demandant donc de vous comporter un jeu comme en RP. Fini de voler des voitures pour rien. De rentrer, attendez. J'ai eu la réponse. On peut encore. Ok, bon, on va prendre ce véhicule. Non, pas lui. Parce qu'il est un peu. Voilà. Il y en a en bas des véhicules, je crois. Attendez, on va voir. Je sais qu'il y en a, ils ont des motos sur le serveur de ce que j'ai pu comprendre. Le problème, c'est que comme. Ouais, je vous l'ai lu, hein, l'économie du serveur va être reset. Des gens sur la plage, si tu veux. Un pro, tu peux me doubler, exagère pas. En fait, en soi, après on va dire ouais, mais tu sais qu'il n'y a pas d'argent. En fait, j'ai un doute. Donc, dans le doute, je préfère largement demander et pas faire de conneries avant le début du RP. Pour peu que le RP n'ait pas encore commencé et qu'on puisse encore. Ok,
Mais si le RP il a vraiment commencé, bah, dans l'ordre, tu ne peux plus voler comme ça. Pour rien. Et je pense à la tablette. Putain, le nombre de véhicules qui est volé à la minute. Et les mecs, super dingue. Hein. On va aller farm ce soir. J'ai pas pu farm du tout aujourd'hui. Donc on va farm un petit peu d'argent. L'économie va être reset. Qu'est-ce que ça vaut le coup? Mais on sait pas quand il va être reset. Ce soir, demain. Non, c'est bientôt, je sais. Vu que l'annonce a été postée. Ça va nous occuper de faire un petit peu de farm. On va aller au truc de la taverne. Ah, on est 43. Ça fait plaisir. On est un peu plus. On va essayer de faire une nouvelle tenue. Quand même. Donc, normalement, demain soir, on aura RP civil. Bonsoir. Alors, changer la tenue. Alors, je ne sais pas quoi faire. On va voir ce qu'on peut trouver. Ah, j'aime bien.
open the fucking Cypress Flats, man, what the hell? Look, man, I got me some shit. I got me some wings. I thought you was dead. Yeah, you got that thing? Nice, I'll come by later to pick it up. Cool. I'll take a look when I get there. J'aime bien le style. Il est simple, mais j'aime bien. On va changer le fut. Ouais, non, je suis pas fan de la veste en vrai. Ah, j'aime bien. Faut trouver la chemise qui va avec. Dommage qu'il n'y ait pas de... Ouais. Ça, c'est les trucs des forces de l'ordre, on peut pas le mettre. J'aime beaucoup comme ça. Fais voir. Ah, les gants. Ah, c'est dommage pour les gants. Ah, c'est dommage, elle était bien la tenue. J'aimais bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des trous, quoi. Ouais, c'est dommage. On va l'enlever. True. Ah. Pour peu qu'on l'ait en blanc. Pas mal. J'aime bien. Fais voir de dos. Ça va. C'est le pantalon qui va pas. Je crois que le truc troué. Ouais, j'aime bien. On va changer les chaussures. Non. Pas comme ça. Ouais, j'aime bien.
Ouais, mais il porte pas de... C'est pas quelqu'un qui porte de la marque. Ah, j'aime bien. Ok, on va l'enregistrer. On va l'appeler. Attendez, je regarde un truc. Tenue classique. Tenue. Tenue street, on va mettre. Non, tenue. Tenue ville. Ah, elle est plus là. Ah si, elle est là-bas. Yoga's for chavalas. I'd rather hit the weights any day. Whatever, dude. On va aller au job intérim. On va voir ce que ça dit. On va tester les jobs, hein, des fois. Même si l'économie va reset dans peu de temps. Il faut qu'on voit les jobs en temps. Un jeu des PNJ ultra vivant, c'est une dinguerie. En fait, j'essaie de me repérer en ville déjà. Oula, oula, on a deux têtes. Ah ouais, ok, on va sur un plein milieu. Tout va bien. Là.
carré là. En fait, j'ai envie de voir. En fait, je sais qu'il y a une réunion de police, force de l'ordre, MS, pour apprendre aux joueurs les outils, les nouveaux outils, les tenues, tout ça. Mais je les ai vus tous là-bas. Toi, tu me diras, j'aurais pu me garder au parking. On dirait que ça fait un peu classe quand même cette... Oh, pff, pire. Tant pis. Il s'est fait plaisir en arrivant ici. Puis c'est pas un truc de marque. Pas trop de marque, donc ça va. Évidemment, il n'appartient pas. Alors, une nouveauté, c'est qu'en fait, avant, quand on mettait son véhicule, par exemple, ici, on pouvait le récupérer à notre garage à nous, de chez nous, ou, par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais le garage du LS Custom, par exemple. Bah, maintenant, en fait, tu mets ton véhicule dans ce garage-là, tu devras le récupérer dans ce garage-là. Tu ne peux plus le récupérer dans un garage autre part. Incroyable. C'est incroyable cet endroit. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je ne vous entends pas, attendez.
Non, je parie sur 50 000 dollars que vous n'êtes pas ouvert, c'est cela? Ouais, je ne suis pas le gérant de cet endroit. Ah. Vous venez squatter les transats, c'est une belle vue, hein. En fait, je viens surtout voir ce qu'ils font là-bas, en fait, en bas. Ah, vous travaillez dans quoi, vous? Je viens d'arriver en ville, donc je ne travaille pas encore. Ah. Eh ben, venez regarder avec nous. Avec plaisir. Une bonne clope, le véhicule qui est en bas, c'est à vous? Non, le noir qui est juste là en bas, oui. Les phares, enfin, elle est encore en marche, hein, pour prévenir. Oui, pas grave. Je me fais pas de... J'en ai vu qui dansait en bas, là. Vous savez au moins ce que c'est, là? En face? Ouais, c'est le truc, c'est pas une réunion des flics? Ah, peut-être. Ouais, je sais pas, en bas j'en ai vu. Si c'est ma voiture qui est allumée, c'est pas si grave. Ouais, celle qui est juste devant l'entrée, en fait. Ouf, ouais, j'aime bien de me garer là, c'est plus pratique pour repartir. C'est... Ouais, ben. Tu fais une fausse manip, tu sautes, tu tombes. Tu meurs. Ils ont la tablette, ils apprennent à s'en servir en fait. Oula, c'est un bon point de vue pour regarder quand même au chemin. Ouais. Il y a des gens qui sont pas tout à fait aligné non plus. Oui, oh. Ah mais ce sont sûrement les shérifs. Ah non, ils ont des gants blancs, ça doit être les EMS. Je crois que c'était EMS et les forces de l'ordre, hein, ce soir. Bon, par contre, je vois quelqu'un avec des pattes def là, une espèce de... un pantalon à pattes def, on dirait. Que ça à faire, Nous on est là les épiers quoi, c'est ça qui me fout droit de rire.
roule. Ouais, ouais. Mon collègue va se promener un peu, hein. Il a bien raison. Et si c'est pas indiscret, vous travaillez dans quoi? Vous? Pardon? Si c'est pas indiscret, vous travaillez dans quoi? Parce que vous me demandez si je travaillais, mais vous travaillez dans quoi? Patron du concessionnaire. Ah, ah bah. Ouais, je viens de voir ce que vous proposez. Hmm. Vous appelez comment, monsieur? Duncan. L'eau. Duncan. C'est ça. Mmh. Ah ben, je vous inviterai à passer voir le concessionnaire dans les jours qui arrivent. Ah, avec plaisir. Je viendrai vous voir. Ah, va. On commence à tisser des liens petit à petit. J'aurais bien aimé monter là-haut. Genre vraiment sur le toit, mais. Pour une raison RP, c'est pas trop logique. Bon, regardez ce qu'ils font là. Alors. Ça c'est. Mais ça je crois que c'est Sabu. Je crois que c'est Sabu. C'est l'autre perso de Pazzo. Hein. Je crois qu'il a pris Sabu en tant que chéri. Et ça c'est Maloulou. Non, c'est un nouveau perso peut-être. Je sais pas.
je me sers à boire, j'ai soif. J'ai cru que la voiture s'est arrêtée. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Ah bah d'accord, ça se frappe. Bonsoir. Bonsoir. Ok, je sais qui c'est. Monsieur 35, Alain Arnoux. Eh bah dis donc. Il y a du monde ici. Pour ceux qui ont suivi mes lives à l'époque, j'étais à Saint, n'importe quoi. On a une belle vue quand même de la ville d'ici. Ouais, si vous prenez les jumelles, vous avez une belle vue de ce qui se passe en bas. Ceux qui ont suivi mes lives quand j'étais policier, c'était renseignement 35 à la rare de nous. Bah oui, pas celui-là, j'avais très soif. Ça va être ça, leur nouveau véhicule de patrouille. Ça va être ça, leur nouveau véhicule de patrouille. On dirait bien, ouais. Curieux de voir les véhicules de shérif. Hein. Ah grave. Ça va les fouines? J'ai un gros plan. Oui monsieur, comment allez-vous? J'ai vu un gros plan. Et Twitch, hein. On est sur le service 3 pièces, non ouais. j'ai vu en zoomé. Ah ben là. Et bah oui. Et vous êtes cramé, hein. Et je fume ma... Ah bah allez, salut. Je suis en train de fumer ma clope et puis j'y vais. Pardon? Je parle à ma boîte. Roi du noclip. Eh oui, ça s'apprend. L'art du noclip, c'est pas le roi, c'est l'art du noclip. Eh oui, oui, oui. Ça se voit, il est sur les orteils. Non, tu sais, là, il a la barre, il a le haut de la barrière au milieu des pieds, de la voûte plantaire. Attends. À deux doigts, deux doigts. Allez, Zoubi. Allez, salut hein. Genre vraiment j'étais zoomé au max. Il a pop devant moi. Le service 3 pièces en 4K. Oh putain, bah alors là je voyais le pixel près là.
Enfin, en même temps, on sait qu'on est grillé, hein. On les voit, ils nous voient. Hein. C'est pas comme si on se cachait. Hein. Enfin, pour eux, c'est limite, on aurait pu se mettre directement là-bas, ça aurait été pareil. Ça doit faire 10 minutes qu'on est là, tu m'étonnes qu'on est cramé. T'as froid aux mains? T'as mis des gants? Non, c'est quand je fais le métier électricien, c'est mieux de mettre des gants. Et aussi, voilà ce qui se passe quand je les enlève. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, le plein, il va s'enlever là. De quoi? Il y a un ballon qui va tomber là, regardez. Un ballon? Au-dessus de nous. Vous le voyez pas là? Ah si. Oh putain! What the fuck? Bon bah c'est bon, le club 7-7, on a compris les annonces. Grave. Regarde, ils se sont éclatés avec les annonces, hein. What? Ça va faire boum. Donc là, en fait, le ballon, il a atterri là-bas, là. Oui. Il est bon, le popcorn? Ah, c'est sûr que ça va exploser. Ah non, ça, ça redécolle. Oh là là. Ah, bah voilà, y'a plus. Avec les deux quoi, Maurice? Hmm? Non, pardon, je me parle à moi-même, pardon. Non, mais voilà, le double voc, hein, on sait. Hein. On le voit. Hein. Il y a des cheveux de tous les toutes les couleurs dans ces flics. J'ai vu un mec aux cheveux bleus, en bas il y a un mec aux cheveux verts qui est monté dans la voiture. Après peut-être qu'il y a c'est une réunion LSPD et EMS aussi. Oui, c'est une réunion. C'est une réunion LSPD et EMS. Donc ouais. Si ça se trouve, il y en a, c'est des EMS. Oula, 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 oula. Encore un hélico. Ouais, bah il est là-bas. Qui n'a pas sa formation Henri, qui ne sait pas piloter. Ah, hier soir, il tirait sur les hélicos. Oh putain! Ah ouais, ça tirait depuis les toits de.
du commissariat de Vanwood, t'en as qui tiraient. Ok. Ça va, tout va bien. Oula, oula. J'entends des dingueries. Ah, on voit mieux là. On a monté de 2 mètres, mais tout va bien. Grave. Faire 300 pas pour monter de 2 mètres. Mais l'endroit est top, hein. Purée. Franchement. Ah, revoilà le dirigeable. Ah oui, le beau dirigeable. Il est apparu derrière l'immeuble, genre waouh. Et quand le dirigeable disparaît, il y a l'hélico qui se... C'est qui ça, décolle. C'est ça. Oula. Au son que ça a fait, je pense qu'il va y avoir une explosion. Boum. Ancien instructeur 05. Bah heureusement que j'ai jamais fait de formation Marie pour formation Henri pour faire des pré-instruire le Henri. Hein. Oh, le grave. Oh le bordel. Ça aurait coûté cher. Hein. Pour ça qu'il y avait 22. C'est lui qui formait les Henri. Ça m'allait très bien. Sauf que maintenant il est plus là et c'est 0. Hein. Allez, deux. Quoique, je dis ça, mais de ce que je sais, il faisait du très bon boulot en tant que lieutenant et après capitaine. Donc pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner dans cette nouvelle LSP. Ouais. Moi je suis bien en illégal, hein. Ça me suffit, ça me va. Au calme dans le fauteuil. Ah oh bah c'est monsieur hasard. Hein. Bah toujours. Quelque chose j'ai encore fait moi. Non je disais au calme le fauteuil, il fait. Bah c'est monsieur hasard. Tout à fait, tout à fait. Mais oui c'est clair. Je vais pas le critiquer, ça sera peut-être mon futur patron. Le mot à retenir c'est peut-être. Bah s'il m'accepte. Tu vas devoir passer chez Monsieur Maurice d'abord. Oui, je sais. Je rêve où il y a un mec qui torse le poil là-bas. Ah non. Moi j'ai ma chaise pilote. Ah c'est tout aussi bien. Hein. Bah on dirait pas mais c'est confortable. Hein. Au pire il y a un pouf hein, derrière. Ouais mais trop loin.
Launcher. Prendre le fauteuil qui avait 22 à chaque fois. Ouais, aussi, c'est très bien. Il tient le flambeau. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Rosa? On n'est pas dans Koh-Lanta, hein. Il essaye de faire des signaux de fumée. Il essaie d'attirer leur attention. Je pense aussi. Comme ça pour attirer l'attention. Ah putain. Ah c'est chaud hein. C'est exactement ça. Par contre, ils sont très dangereux, les autres citoyens. D'ailleurs, je prends un véhicule, je galère à démarrer, le temps que le véhicule redémarre, j'ai failli me faire sortir du véhicule. Et en plus, hier, il y en a un qui m'a poursuivi. J'en tape une, la nana, elle me poursuit. Genre vraiment, elle me tape au cul. Oh putain. J'ai fait, mais ils sont cinglés. Ah, il fait du air guitare maintenant. Mais vraiment, je me suis dit, mais putain, elle est cinglée, elle. Elle me fonce dedans. Donc il saute pas par-dessus la barrière. Ouais, 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 ouais. Bon, je vais faire ça, je vais faire des émotes, mais je m'écarte un petit peu. Hein. C'était risqué, hein. Franchement. Bah imagine, tu fais ce rire. Ah bah voilà, tu vois, c'est ça. Sans battre des ailes. Tu fais I believe I can fly, mais tu fly pas. Il doit avoir des cons sur un balcon. Putain, il y a trois mecs. Et... On va avoir le service 3 pièces qui va venir tout de suite 3 sur notre tronche. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur sa pancarte? Bet you can eat me with a quarter. Ils nous verront pas, ils sont tous sur leur tablette. Oh les geeks de nos jours. Oh waouh. Oh j'ai vu. Ah. Ouais, oh, oh oh, il est chaud. Le concours. Je sens un peu qu'on va se faire éclater d'ici peu, tu vois. Mais on fait rien de mal, hein. On danse, c'est pas grave. Ouais.
Dance Wave tous. Il fait la révérence et tout là. Le nouveau roi d'Angleterre. Regarde, moi j'exagère toujours mes révérences. Elle est pas mal celle-là. Ah oui. Je me chauffe le poignet. Je danse dans ces étoiles. Mes hommages. Vous levez bien la main comme ça et vous faites un arc de cercle. Nous sommes de la haute, messieurs. N'est-ce pas ? Ce sont des gredins oui. Et du vulgus en bas. Nous faisons partie de l'aristocratie. Ce sont des gueux en bas. Le vulgus, la plèbe. Je suis sûr que même s'ils nous regardent tous, ils sont pas très les couilles. Je vais jeter quelques piécettes à ces mendiants, à ces gens de bas étage. Jeter des pièces usagées, ça sera déjà suffisant pour eux. Ouais, on s'amuse toujours au final, même sans... Je vais lancer quelques billets pour ces gueux, monsieur. Mais faites donc. Là, ça serait tellement drôle, on regarde tous dans notre direction. Il y en a peut-être un qui nous aurait cramé, c'est celui qui est en train de s'amuser avec la voiture de police. Moi j'en vois un là-haut, là-bas qui lève les bras. Qui s'amuse à lever les bras. Oui. Attends. Je vais faire un truc. Il lève les bras. C'est où cette merde? Attends. Moi aussi je lève les bras. Je bats des ailes. Venez, plèbe. Je vous donne quelques billets. Oh, très beau. Que dis-je? Amusez-moi. On est en haut. Ah, c'est tellement drôle de les regarder d'en haut. Tenez les gueux. Il a du spawn. Qui? Alors moi, je vois la pluie de billets que fait Matt, mais moi, j'ai pas de pluie de billets. Il fait juste l'animation avec son billet. Ah, c'est avec G, d'accord. Tiens, on va faire des cons, faire des simoutes. On a trois cons qui s'amusent. Je regarde les trois qui le font. Ah, c'est beau. Encore heureux que ce soit pas du véritable argent. Notre véritable argent qui part. Grave. It's raining man. Alléluia. Ah lui il le fait. Attends regarde. Lui il le fait. Moi je vois toujours Matt le faire mais il a les bras le long du corps. Appuyez sur G. Mais je l'ai plus la truc. Ah non je l'ai enlevé.
Ouais, mais moi je te vois les bras le long du corps. Moi aussi. Et t'arrives à le faire quand même. Incroyable. Alors. J'ai eu peur. Ah, regarde. Voilà, parce que j'ai fait autre chose, regarde. Je fais pleuvoir les billets à mes pieds. Comment t'as fait? En fait, j'ai sorti mon vélo, mais tu prends ton téléphone, tu le ranges et ça fait et ça sera fait, enfin, pareil. Pourquoi ils sont deux fois? Double. Ah oui. Les cons. Ne pas juger, ne pas juger, ne pas juger. Tu peux juger, on n'en a rien à foutre. Dommage que les billets n'aillent pas jusqu'en bas, ça aurait été tellement drôle. Grave. Imagine juste à leurs pieds, juste pour les faire chier et les faire venir. Dommage que ça vous consomme pas vraiment des sous. C'est ce que j'ai dit, heureusement que ça consomme pas vraiment des sous. Ce serait réaliste. En sachant que l'emote sur GTA V le fait déjà assez. Et ouais. Money, money, money. Ils s'en foutent, ils sont toujours sur leur tablette. S'ils s'en foutent, ils sont toujours sur leur putain de tablette. De toute façon, ça se trouve, d'ici, ils le voient pas. Ouais, bah si ça se trouve. Ah, c'est tellement drôle là. Bon, j'ai une crampe au doigt, mais c'est pas grave. Oh bordel. Il va y avoir de plus en plus de monde qui va venir ici pour faire ça, tu vas voir. Non, pas du tout. Non, là, ce qui serait drôle, par contre, c'est que tous les quatre, on fasse la pluie de billets et qu'on envoie une photo à qui. Bah, on fait une photo. Attends, moi, je vais le mettre en clip, hein. Ça va être mis en clip. Ça, tu vois, après mon live, je prends une photo juste ça, hop, et ça part sur le Discord. Moi, c'est bon, j'ai pris le screen de nous tous. Faut le mettre dans image en ville. Vas-y, attends, je le fais. Oh putain, oui. Messieurs, ce fut un plaisir, je vais y aller, moi. Eh ben, bonne okay. soirée. Bonne soirée. Avec ton beau costard. On est vraiment con, hein. Quatre cons en train de jeter des billets. Grave. Je regarde dans Image en ville. C'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je gagne la foi. Ah mais c'est toi, Duncan Lowe? Oui. Ok. Aussi l'ancien instructeur 05. Bonsoir, c'est moi. J'étais cadet à ce moment-là. J'étais cadet à ce moment-là. Et t'es passé, t'as rank up après que je sois parti. Il m'a fallu 3 mois pour passer juste Ophi 3. En sachant que j'y suis pour rien, sachant que moi je faisais juste cadet à Ophi 1 et après c'était les supérieurs. Moi je me battais, moi je faisais plus rien après. Oui.
Ah. Oh putain. Quand les autres ils vont voir ça, ils vont dire mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Attends, ils sont où déjà? Bah juste en bas là. J'adore, on a trois agents de la LSPD sur un toit. Ouais. Ah non, non, moi je sais pas, j'en ai pas. Je fais grave partie de la LSPD. Avant, oui. Moi? Non, j'étais stagiaire, c'est différent. Oui, ça compte pas. C'est la même chose. Non, ça compte pas, les stagiaires. J'étais stagiaire, t'as Dwight qui m'a dit de revenir le lendemain et t'as 01 qui m'a dit de dégager. Ah bah bravo, capitaine 01. Ouais. Fun fact, vous voulez une fun fact sur 01? Vas-y. Il a déjà loupé une fois son test OFI 1. Ah. Oui, avec moi. Ah. Et à l'époque il y avait 61. Et il l'a repassé. Et vous savez ce qu'il m'a sorti comme réponse à une question? Non. La question c'était vous contrôlez quelqu'un qui a une batte de baseball. Bah c'est pour ça qu'il l'a loupé. Parce que la première question c'était vous contrôlez quelqu'un qui a une batte de baseball dans un sac. Que faites-vous? Le mec il dit on lui demande sa licence de baseball. J'ai reposé la question au test suivant, exprès, hein, parce qu'il était là. Il était passé au FI1, parce que le commandant lui avait passé. Et en fait, suite à des circonstances, il a dû repasser le test au FI1. J'avais fait exprès de reposer cette question. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Le mec me dit, j'avais demandé, est-ce qu'on la confisque? Il avait dit oui. Alors qu'il avait rien, il avait rien fait de mal, le gars. Est-ce qu'on confisque? Oui. J'ai fait putain. Ah ouais. Oui, je me souviens pendant le test au FI1. Hein. Bah oui. On m'a déjà demandé si j'avais une licence aussi. Hein. C'est le BCSO, moi, qui m'a demandé. Pour t'expliquer, à un moment, avec 01, je crois qu'il était sergent à ce moment-là. Il y a le capitaine qui lui demande de refaire son test d'officier. Hein. Bah oui, c'était avec moi. Ouais, je m'en souviens maintenant. Non, non, il était encore au FI1. Hein. Ah oui, c'est vrai. Attention, il y a Matt Moons qui a réagi à ma photo. Mais du coup, ils font quoi en fait là? C'est la réunion force de l'ordre MS pour tablettes et tout ça. Leur équipement et tout. Ouais, donc c'est malvenu de se pointer là-bas quoi. Oui, ouais. Surtout que c'est en live chez Panzo et Kaija. Donc. Ouais, alors on va éviter. Déjà, oui. J'ai déjà froissé tout à l'heure. On va éviter de les refroisser maintenant. C'est génie. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est ce que je me demande. Qu'est-ce que t'as fait en fait? C'est ça la question. Apparemment, j'ai trop forcé pour me demander. Enfin, pour qu'on me mette le set job et ça leur a pas plu. Donc je m'en suis déjà excusé à Keija, mais j'ai pas pu m'en excuser à Pazzo. Ouais, je pense qu'en fait, le forcing, déjà, faut y t'entendre. Mais en plus, en ce moment, faut éviter parce que, vu tous les efforts qu'ils font. Déjà forcé c'est malvenu, mais si en plus en ce moment tu forces, à mon avis ils vont rapidement t'envoyer bouler quoi. En soi c'est pas, enfin je pensais pas vraiment avoir forcé ou quoi, c'est juste j'avais demandé à Pazzo et j'avais pas vu que j'étais toujours en attente de BDA. Et quand j'ai ma move, je lui ai reposé la question. Et ça leur a pas plu. Ouais, tu fais comme tout le monde, t'attends la PA. Oui alors PA pour devenir patron d'entreprise c'est un peu... Ah ça oui ça. Mais là ils sont là aujourd'hui c'est les forces de l'ordre et les EMS et après il y a encore les entreprises. Normalement demain c'est les groupes illégaux qui mettent en place. Normalement entreprise c'est censé être bon si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais comme ils ont beaucoup demain, de trucs à faire illégaux. En même temps, vous savez les pauvres ils sont surmenés hein. C'est une horreur. C'est vrai que les PNJ quand ils spawnent et qu'ils avancent et qu'ils sont quand même assez loin on les voit slide. Oui. À Tokyo Drift. Non, mais les staffs, les pauvres, là, faut les laisser tranquilles jusqu'à ce que le RP soit vraiment ouvert. Donc, grosso modo, demain après, soir, c'est première soirée RP civile. Et normalement, vendredi, c'est vraiment début du RP. Alors,
De ce que j'ai compris, parce que j'en ai reparlé avec Under juste avant, c'est juste des approximations. Faut pas s'y fier, Oui, faut bien attendre les sûr. annonces de Dobra. De toute façon, il faut attendre déjà que l'économie soit officiellement reset, ce qui n'est pas Ouais. encore fait. Oui. Pour ça que moi j'ai pas passé mes permis, j'ai pas récupéré mes papiers d'identité au cas où. Moi, j'ai Alors récupéré moi. mes papiers. Après, ça, normalement, ça change pas, tu les gardes, tes papiers, je crois. Mais il y en a, ils ont déjà des voitures, ils ont déjà tout ça, des motos. Non, moi j'ai juste pièce d'identité, permis voiture. Moi, c'est vrai. Moi, j'ai juste les cartes d'identité perso. Enfin, la carte bancaire et ma carte d'identité. C'est tout. Attends, parce qu'il y a Razor qui parle en même temps à côté. Oh, ça double vogue. Rien t'empêche de nous rejoindre en VOC. Hein. Un méchant live. Ah merde. Ah oui. Bon, après, on va pas dire de dinguerie. Bon, ils ont déjà entendu des pires que ça. Avant la fermeture de la V1, j'ai eu droit à des petits poneys. Mon Ilona Mitrecé, un monde parfait. J'ai eu droit à la chorale du LS Custom. Alors bon. Ah. Bah, si tu vas voir dans. C'est Tu où? peux... Attends. Tu penses que Tig et ses potes, ils vont refaire comme à la V1 où ils vont se déguiser en licorne et peut braquer une supérette? Oh Oh non, pas le putain, oh retour pas des le retour des licornes! licornes! Parce que je te promets que Non! mon côté Davis va, mon côté LSPD va ressortir et je vais me remettre en chasse des licornes. J'ai juré. Hein. C'est ce que j'avais fait à la V1. Quand j'étais en policier, je chassais des licornes. Hein. Je sens que cette scène, je vais faire une soirée. Mais qu'est-ce que La c'est? soirée Mais pour qu'est-ce qu'ils venir, faut être foutent en déguisé bas? en licorne. D'ailleurs, j'ai toujours une vieille. Wesh, pourquoi il y en a un, il vient de se faire plaquer au sol là? Mais moi, je sais pas comment ils arrivent à plaquer au sol. Et j'ai vu ça avant-hier. Je sais pas comment ils font. C'est une émote, je crois. Et Ouais, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Duncan, si tu veux tout savoir, j'ai une photo où on voit deux licornes dans le vestiaire de la LSPD. Moi, j'ai toujours, ça doit toujours être en rediffusion. Quand je suis devenu officier 1, que j'ai des licornes qui sont venues nous féliciter. Qui sont venus au commissariat nous féliciter. Ah ben, du coup, ok, je parlais de ça justement, du fameux braquage de supérette des licornes. Moi, je vois des licornes venir vers moi avec du Oui, mais champagne et avec le tout. champagne et tout, ouais. Oh Et putain, ben, j'en j'ai vu le pouvais TikTok plus. de... Comment il s'appelle? Joris. Bah oui, bah. C'est pour ça que je dis ça. Putain, j'en pouvais plus, cher putain, pas les licornes. Sachant qu'une des licornes est devenue. Était garde du gouverneur et est devenue LSPD par la Oui. suite. Hein. Oui, je sais. C'était. C'était 17. 17 qui fait partie de mon groupe, d'ailleurs. Un groupe illégal. Ah, et l'argent en groupe, du coup? Ouais, quand il est mort, en fait, il a wipe et il est venu dans mon groupe. Et 15 et 87, ils vont bien ou 90, pas? 97. Ah ouais, 97, on 97 n'a et plus de 15. nouvelles. Il était avec moi, mais il en a plus de nouvelles. Et 15, elle va bien en ce moment. Elle est malade, donc elle se connecte plus. Ah ok. Mais elle va bien. Elle va très bien. C'est la chef du groupe. Ok. Ah ouais, en fait, on a wipe. Et en fait, RP parlant, on est chacun. Enfin, moi, je suis parti avec 15. Davis est parti avec 15. En fait, tous ceux qui sont partis, on s'est un peu rejoints. Et en fait, c'est parce qu'on a wipe pour faire de l'illégal ensemble. Je viens de regarder Ok. au niveau des émotes, Si tu veux, j'ai pas trouvé. leur parlant, 15 et moi, on est frères et sœurs. Ok. Du coup, j'ai déco vocal. Hein, Yves. Façon, tout le monde a déco Ouais, y a vocal. pas de Non, problème. mais Yves, maintenant, je suis tellement habitué à t'appeler Alain. Ben, je sais, Je vais t'appeler 35 en RP, tu vas voir. mais. Tu sais qu'il y en a, il m'a sorti. Ça vous évoque quoi ça t'évoque quoi le chiffre 05? J'ai fait rien du tout. J'ai compris le sous-entendu, mais j'ai fait rien du tout. Mais tu sais que à la V1, on me l'a déjà sorti hein, depuis que je suis illégal. Hein. On m'a déjà sorti. Vous aimez le chiffre 5? Je fais putain, les relous. Du coup, je l'ai Du taillé coup, sur le fait qu'ils étaient mal formés. non, moi je le savais que je le savais que c'était toi, mais je m'en suis pas servi en Ah, RP. il y en a un qui l'a fait. Comment il s'appelle? Spiro. Jack Spiro. Il l'avait Oh fait, lui, non, hein. pas Il lui. l'avait fait, hein. Du coup, je fais. Bah, ce type, enfin, votre instructeur, il vous a mal formé, hein, putain.
Mais c'était lui l'instructeur que... Mais Jack, je l'ai eu en tant Excusez-moi. que stagiaire. En plus, le gars qui a Non fait mais 10 stages chez nous. dis-toi que Jack, il est toujours membre. Il est Allez, dans l'eau là. à table. J'arrive pas à oh, le trouver dérapage. vraiment les mots. Moi, ça me Tu voulais saoule laquelle? parce... Bah, celle justement de plaquer au sol. Mais y allait pas. J'ai cherché en anglais, en français. Ah bah, dis-toi, je viens de guetter toutes les émotes partagées. J'étais à ça de regarder toutes les émotes en elles-mêmes pour la trouver. Mais je sais pas c'est laquelle plaquée. Aucune idée. Parce qu'à la limite, le seul truc que je trouve ressemblant, c'est genre ça, quoi. C'est tout, Toi, quoi. tu t'es juste écrasé la gueule. Oui, voilà, c'est tout. Sinon, il y a aussi sauté, mais il est en crêpe, quoi. Ouais, alors là, si tu sautes, ouais. Dis donc, le patron du 7-7, il aura tenu même pas une soirée, quoi. D'ailleurs, je recrute, hein, si ça t'intéresse, Duncan. Ouais, bah on verra quand le RP sera ouvert. Je t'avoue que je sais pas encore ce que je ferais comme métier. Une fois. Mais c'est quoi ça? Tu pars C'est sur quoi les ce gars truc ou les tout gars? rose là? Un truc avec un truc rose en bas là. Quoi? Putain, mais c'est un lapin rose dans le dos là? Ils sont en train de se Ouais. battre. C'est moi ou c'est un skin Fortnite? Ah, Oui, mais c'est Kama. c'est Fleur et sa sœur, je crois. Oui. Putain, j'en peux C'est pas plus. 80, c'est pas 80, je sais plus combien là, la meuf de l'état-major Non. de la V1. Non, c'était 37. La sœur de 37? la une RP, c'est la sœur de Fleur. Mais ouais, mais eh, je suis à ça de descendre lui demander c'est quoi son émote, hein. Oh, ils sont en train de la tabasser. Hey, tu sais quoi? Vous m'avez chauffé. Comment on fait pour descendre? Je vais le voir. Je lui demande. Attends, c'est quoi les Bah, mots c'est pour plaquer simple, au tu sol? reprends la passerelle et Ouais, tu c'est retournes ça. là-bas, là où t'es passé. Mais là, il Oh tourne. putain. Par contre, quand t'es parti en tant qu'instructeur, j'étais dégoûté. Moi, j'étais content de partir, j'étais saoulé. Tu sais Ouais, quand... je peux le comprendre. En vrai, 15 et moi, on est parti parce qu'on était saoulé. Avec 97 ans. On est parti parce qu'on était saoulé de la LSPD. Non mais je Bah... peux En soi, comprendre. je suis parti aussi C'est parce mieux qu'il y avait, mes cordes plus vocales. d'instructeurs. Il n'y avait plus d'instructeurs. Ouais bah on en aurait bien besoin. Bah, excuse-moi, mais ils ont dégagé. Pour eux, tout le monde, pour l'état-major, tout le monde pouvait faire du. De l'instruction. Preuve que non. Ouais mais dis-toi, hein, 2 semaines après que tu sois parti, je me suis rendu compte que c'était de la grosse connerie de faire ça. Sais que je me suis tenu au courant via les lives de Killam, de 22. Ouais, bah oui. Ah bah mon dieu! Après, tu sais qu'on est venu sur mes lives me dire que. Enfin, 08, qui était venu, qui est un modo de Killam, Oui. venait sur mes lives me dire que ça aurait été bien que je reste. Qu'au final, j'ai bien fait de partir. Ouais, grave. Mais tu Non, sais que Killam, il est venu moi sur de... nos lives à 15 et moi pour nous dire refuser! Parce qu'on lui avait envoyé un message, parce qu'on a démissionné quand il est parti. Ouais. Enfin, quand il était pas là, du coup, on lui avait envoyé chacun un message sur son téléphone. Et il nous avait répondu en disant refuser. Il est Non venu mais... sur nos lives pour nous demander pourquoi, donc on lui a expliqué et il comprenait. Après, il l'avait dit sur sa rediff sur son live en mode ouais, ils sont partis, bon, je peux comprendre vu que tout a changé. Vu qu'ils ont changé tout ce que j'avais fait, bah voilà. Moi, tu vois, de base, je voulais voir ce que donnait la LSPD sur la V2. Là, je suis en train de regarder sur le live de Keja, la tablette et tout. Je me dis, non, laisse tomber. À ce Elle est point-là? pas mal, hein, putain. Ah, grave. La Elle est tablette, pas c'est mal, ça. 1000 fois plus compliqué Ouais. qu'avant. Ouais, bah je Bah, suis bien attends. content d'être parti dans Un petit l'illégal, hein, peu. clairement. Ah, bah, moi, ça, je suis bien content d'être parti. Je crois Ah ouais? finalement que. Alors, j'ai eu une réponse. C'est pas une Ah, émote. bah ouais. Ah! Oh, putain. Oh merde. C'est dans les paramètres Utopia V2. Bon alors là, Donc, attends, c'est bouge pas. potentiellement un truc qui est OnlyFlick. Mais c'est quoi l'autre Non, groupe? parce que j'ai vu des mecs aux EMS qui étaient pas en flic sans serveur. Je vais chercher Bouge et je vais pas, te j'y vais faire. aussi. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Oui. Ok, bah, je vais pouvoir vérifier aussi en même temps. Je vais me mettre en automatique. Voilà. À config des touches. C'est moi, il y a encore plus de trucs dans les paramètres. Oui. Oh, c'est sûr. C'est un truc de 10-20, je sais pas quoi. À côté d'un truc de 10-20. Oh putain, si c'est 10-20, c'est flic, c'est Ah, sûr. faire une charge.
faire une charge ce police. Tu l'as vu où? Juste en dessous de 10-20. Oui, mais c'est où 10-20? Quand tu ah, descends. C'est bon, j'ai trouvé. Du coup, vas-y, fais voir si je fais ça. Je vais être mon cobaye, Duncan. Attends, parce que je vois pas. Je peux pas. Ouais, donc c'est vraiment. C'est ça doit être un truc vraiment flic. Ouais, ça marche pas. Dommage! Je vais essayer de le mettre sur une autre. Ah non, mais oui, police! Si origine police! Oui, bah oui, bah oui, bah oui. C'est oui, c'est only oui, flic. Si ils peuvent alors. Parce que c'est un truc only force de l'ordre qu'ils ont dû paramétrer. Oui. Oh, attends. Ah oui, non, oui! Je viens d'ouvrir le F8 après l'avoir spam. Origin police, j'ai une vingtaine d'erreurs. Mais de toute façon, c'est marqué mais... Origin police, c'est laisse tomber. C'est que c'est jamais on pourra l'utiliser en tant que civil. Laisse tomber. Non, mais à mon avis, peut-être qu'ils l'ont configuré comme ça parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de gens qui en abusaient. Ouais, sinon, ça va être l'abus total en ville et on sait qu'il sur Utopia, il y en a plein qui peuvent en abuser. Je sais même pas qu'il était à la V1. Ah, attends, non, mais oui. Pour peu que. Non, non, ça y était pas à la V1. Mais pour peu que. Regarde, comme quand tu te frappes. Quand tu avais un spasme mais que tu frappais quelqu'un, ça faisait une alerte police. Ouais. Imagine, tu plaques quelqu'un, ça fait une alerte. Les abus. Non. Non, les coups ont été désactivés pour les alertes police. Tu m'étonnes. C'est si bizarre. Il y a quand même des mecs des SOA qui sont là. Oui, je sais, je sais. Oui. Au calme, hein. Grave, on s'en fout. Le groupe de Kiki. Bonsoir. C'est ça. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que nouveau votre présence. Vous aussi, vous voulez jeter des billets sur la plèbe? J'en peux plus. En soi, une fois qu'on redescend en bas, on est la plèbe. Rose. Bah putain, pas mal lavé. Ouais. Il y a même un petit peu de camp à côté. Dire qu'à la base, moi je voulais juste me faire mes planches de prix. Grave. 7-7. Moi par contre, quand on a monsieur F qui est venu là, toi avec tes jumelles. C'est qui monsieur F? Ah oui, bah fleur. Genre en fait, j'étais avec les jumelles, on était là à côté, là en bas, là, enfin sur l'autre passerelle. J'avais les jumelles, d'un coup, je vois Pop devant les jumelles. Un service 3 pièces en 4K 1080p. Je les enlève et je le vois devant moi debout sur la barrière. Je vais faire ah. Coucou, c'est Pascal. Il nous dit vous êtes grillé. Bah en même temps, c'est sûr que tu vois, tu regardes vers ici, tu vois trois mecs là-haut sur le toit. On n'était pas cachés, hein. Et on cherchait pas à l'être dans tous les cas. Justement, on faisait l'inverse. On essayait de les distraire pendant leur formation. C'est bien, il y aura eu trois quarts d'heure, une demi-heure ou trois quarts d'heure de live où je suis là, c'est bien. Moi qui voulais farm ce soir, bah j'ai pas farm du coup. Ça sert à rien. Une farm en soi. Ouais, je sais, bah, je sais, mais comme il y a rien à faire. Il y aura tout qui va être reset demain. Par contre, j'ai hâte de commencer le RP vraiment. Ah, grave, tu sais moi si aussi. Tu veux partir sur du légal ou du illégal? Ah, mais moi je suis full illégal, hein! Moi je suis illégal, hein! C'est moi qui est Robocop ou c'est lui? Non. C'est moi? Bah, quand je vois le F8, je pense que c'est tout le monde, hein! Non, c'est quand on a testé la charge, ça. Le F8. Le Origin Police. Non, non, moi je vois Citizen Ressources Client. Ah, moi je le vois pas. Ah, moi je le vois pas non plus. Ah, bah je sais pas, alors c'est peut-être. Mais non, non, c'est qu'ils doivent y avoir. Ils doivent travailler sur le serveur, donc du coup ça doit un peu bugger. Ouais. Ouais, moi je suis full illégal, moi. J'ai hâte que. Tu fais de l'illégal? Ouais, ouais, je suis 100% illégal. Oh, tu fais chier. Bah c'est pour ça que je suis parti des flics, hein, pour aller dans l'illégal, hein. Qu'est-ce que. C'est en bas là, ils font quoi? Ça reste baston quoi? Et moi je rejoins le PDM. Ta gueule! Il te voit pas d'ici. Ah, c'est Razor, je crois qu'il fait des tests avec d'autres personnes. Je crois qu'il est avec Ender. Et vous voyez, il fait des tests en bas.
Oui, c'est pour ça qu'il avait Ouais. parti, il était parti du vocal pour faire des tests véhicules. Franchement, je me tâte à voir avec mon groupe, mais pour prendre un LTD plus tard. Bah, allez-y, hein. Franchement, ceux qui ont les joueurs qui vont avoir des LTD, ils vont se mettre bien. Moi, je Toi, m'en t'as vu fous, les je vais être rediffs à au... Kiki? Non, même pas. Même pas? Pas tout encore. Moi, je m'en fiche, hein, de base. Je m'en fous du salaire, hein, vraiment. Bah, le truc, c'est que dans l'illégal, il va falloir qu'on farme l'argent, en fait, pour Oui. débuter. Mon salaire, c'est moi Donc. qui vais le setup, donc bon. Mon salaire, c'est moi qui vais me le setup, donc Oui, bon. voilà. Non, mais l'illégal, on sera obligé de farm dans tous les cas au début. Donc. Moi, je pense que je vais pas me verser de salaire, je vais tout laisser dans la banque d'entreprise. Et dès que j'ai besoin de faire un achat ou quoi, je prendrai dedans et voilà. Tu sais, sur la V1, c'est moi qui tenais la tôme. Pour ça qu'il était Oui. fermé. Bah, en fait, on l'a pas tenu longtemps parce que, après, il y a eu le truc de les joueurs illégaux ne peuvent plus avoir d'entreprise. Du coup, en fait, on l'a ouvert une semaine. Attends, mais moi surtout, il y a un truc que je viens de penser, c'est que t'as énormément de gens qui étaient côté LSPD ou illégaux qui sont partis à côté BCSO. Là, le BCSO, ils vont être une blinde. Ah oui, T'as mais. Fleur qui est BCSO, t'as Da Silva qui est parti BCSO, t'as 04 qui est parti BCSO. Par contre, c'est moi où Pazzo, il a, comme il avait dit, il a mis Sabu en shérif. Oui. Oui. Oh, je suis mort, il l'a vraiment fait. Toujours le fils de Maloulou dans le coma. Parce qu'il avait dit qu'il hésitait à le faire. Au final, il l'a fait. Ok, il s'est chauffé. Et si jamais il vient avec Peterson, Peterson du coup prendra la place de Sabu, ce sera perso illégal. Si j'ai bien compris. Ouais. Par contre, s'il fait un RP illégal avec Peterson, j'ai trop envie de voir ça. Ça va Grave, moi être aussi. masterclass, hein. Ça va être Genre un le vieux Don, baron de la drogue, ouais, un un truc vieux comme Don et ça. tout là, bien charismatique. Qui parle pas mal, mais qui, tu sais que s'il dit Nous quelque avons chose, les t'es mort. moyens de vous faire parler, mais Non, mais nous tu sais que avons aussi les moyens de vous faire taire. s'il te parle, même sans. Enfin, lui parlera pas méchamment, mais s'il parle. Putain, tu vas t'en prendre plein la gueule. T'as intérêt à écouter, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'il avait une puissance quand il parlait avec Peterson. J'étais limite en train de me chier dessus en IRL quand il me parlait. Mais en fait, il attend de voir si ça va matcher avec Sabu en shérif. Pour voir. Ouais. En vrai, ça va être fun à voir. Oh, Moi, je Sabu vais en me mater les shérif, mon rediffs. gars. Oh, les CP que je vais me taper avec lui, ça va être drôle. Un des moments sur Utopia qui m'a quand même fait le plus taper des barres et qui va rester dans mes mémoires, c'est le moment où justement Pazzo y voit Razor faire de l'illégal. Ah, si Ah tu l'as oui, vu, la fameuse c'était. rediff. Ouais, mais c'était voulu, hein. Il voulait que ça se fasse, ça. Oui, non, mais quand il a vu que c'était Razor qui était en train de braquer un ATM, il était plié de rire. On aurait dit le clown dans ça. Ah oh putain, par contre, hey, si je me fais arrêter par Sabu en RP, j'ai hâte de voir ça. Oh! Ah, ça promet. Oh mon Dis-moi, dieu. petit con, pourquoi t'es en train de rouler comme un dégénéré connard? Ouais, c'est ça! Il va Peut-être sans le t'insulter. connard, Non, mais. non, si, si! Si, Sabu, il est capable de t'insulter, t'es mort. C'est ça le problème. C'est drôle. Ouais, mais s'il suit la ligne de conduite qu'il avait avec Sabu sur la V1, en soi, si t'es pas en train en Non, parce insultant que en face de apparemment, lui, ouais. il avait dit. Que s'il faisait avec Sabu, il avait dit que Sabu pourrait avoir des accès comme ça, en mode ouais, fils de pute, machin. Bon, pas Ouais. exactement ça, mais ça sera un shérif, un policier en face de l'ordre fougueux, jeune, Ouais. qui a pas sa langue dans sa poche, quoi, tu C'est bien parce que la boussole en haut de l'écran, elle est pas du tout buggée. Bah, je sais pas, non, c'est trop. Ah, moi Ouais, c'est eux qui tirent, Ça, t'inquiète. c'est. Ça, c'est Apparemment. Maloulou, ça. C'est Apparemment. Maloulou, hein. Eh, c'est plus Maloulou, c'est Kane. Oh, pareil. Mais en fait, j'ai vu Kane tout à l'heure et après j'ai revu ma loulou en Il joue perso. plus ma. Enfin, sur la V2, il va jouer full Kane. Oh merde. Contre LSPD. Oh merde. Ah, Kane et les Speedy. Oh putain. Eh, oh Oh putain, putain. j'ai trop ça va envie être de me ramener n'importe face à quoi. lui et de vouloir jouer l'émote, lui serrer la main. Ah non mais, hé, hey, Kane Juste déjà. pour voir la Kane en réaction. illégal, c'était l'un de nos ennemis les plus grands. Gros même. Et alors là, en LSPD, mon gars. Putain. Ah mais je te jure, le jour où je dois avoir un rendez-vous avec lui ou quoi, je dis bon, je vous serre pas la main, hein. Moi j'ai l'impression qu'en fait, tout est en train de s'inverser. L'illégal devient légal et l'illégal devient illégal.
Non, moi je reste bah, illégal. C'est pratiquement ça. Je serais pas étonné de voir que. Comment il s'appelle, Lara, elle reprenne Tishina en BCSO. Ah, moi non plus. Je serais pas étonné du tout. Ce, qui me... ce non, que je trouverais par contre hyper apparemment... drôle, non, ce serait de voir Nicolas en shérif. Oh putain. ça peut être marrant. Je crois que Lara, de ce que Pazzo avait dit en live, Lara, elle prend Kendra, qui était la fille de Pazzo. Il me semble qu'il avait... Alors, je sais pas si ça a été fait, mais en live, il avait dit que ça serait, peut-être. Alors, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu de rediff où elle jouait ou quoi. Non. Parce que... Mais c'était avant, sur K-Life. Ouais. Mais je crois qu'elle avait... Je crois qu'il y avait Pazzo. Après, est-ce que ça s'est vraiment fait? Je sais pas. Mais c'était l'idée. Bon, je vais devoir aller me coucher. Oh, pauvre bichon, ça a l'air. Non, c'est que j'ai repris le boulot, je me lève à 4h du matin. Oh putain! Bah, force, hein! Bon, allez, salut! Moi, c'est que la semaine prochaine que je travaille, donc ça va. Ouais. Je reviens de 3 semaines. Je vais y aller aussi, je pense. Bah, moi, je vais faire mes docs, du coup. Je reviens de 3 semaines de déplacement d'entreprise. Oh putain. Je suis malade dans les transports. En 2 jours, j'ai fait 14 heures de train. Oh, chouette! Putain! Oh, je suis malade dans les transports. Ouais, je comprends. C'est l'horreur. Mais l'avantage, c'est que en... Comment ça s'appelle ? En mars, je me vais bien. Alors ? On va se faire tirer dessus, là ! Alors ? Elle est encore pire que l'autre, là. Ouais, elle monte 200, hein, donc c'est des véhicules. Attends, il y en a une là-bas au milieu du croisement aussi. Elle marche super bien, à chaque fois je la pique. Attends, j'arrive. Ouais, ok. Aïe ! Il est occupé dans sa tête. Oh. Et toi, tu veux mourir, moi. Il va se faire dégommer. Et il a sorti le cas. Putain. Cache-toi. Ah, putain, il m'a mis une balle tête. Moi, j'ai rien fait. Ah, j'ai mal à la tête. Elle est où, ma voiture? Ah, ta voiture. Aïe, ça fait mal. Laquelle? Bah, la voiture avec laquelle j'étais venu, là, la petite machin, je sais pas. Bah, elle a du dépop, hein. La rouge? Ouais. Y'a quelqu'un à la prise. C'est fait chourable la voiture que t'as chourée, hein. Waouh! Ok, coucou! Oh. Bon, bah, go, rentre. De toute façon, y'a. Ah, ouais, celle-là, la Alpha. Oh, pfff! Celle-là, c'est la Alpha, ouais, elle est connue pour être rapide, ouais. Celle-là, elle marche hyper bien, ouais. Ah bah tes véhicules, le gouvernement, ils marchent ultra bien aussi. Mais je sais. Je les ai essayés, tu crois quoi. Des monstres, frère, quand je les ai vus. Star, là. Kedia, qu'est-ce qu'il y a là, de face? C'est quoi, le Caval 4-3, là? 24-3, ouais. Ah, mais putain, c'est... Ouais. Et au moins, j'en ai un version non-gouv. Il roulera moins vite, mais... J'en aurais peut-être un. Non. C'est moi ou Under, il fait des plans de coupe. Non mais version non gouvernement, donc non machin. De quoi les gars? C'est moi ou Under, il faisait des plans de coupe. Ouais, il est en train de travailler dans sa tête. Ah, ouais. Et le halte table, lui, ça lui réussit pas. Non, là, il s'amuse en même temps, tu vois, mais il est en train de travailler dans sa tête. Ah, tu m'étonnes, il met une balle de... Il est en train de parler avec des gens et puis il y a des gens qui le tabassent. Ouais. On ne dira pas de nom, n'est-ce pas, Duncan? Faut pas croire, hein, on n'arrête pas là-haut. Ah, ça carbure. Moi demain, je sens que je vais avoir mal. Moi, je vais avoir mal au, je vais avoir mal à le crâne à faire tous les chiffres. Un star. Ouais, toi, tu t'amuses, hein, mais putain. Mais moi, je m'amuse de quoi, frérot? Je suis en plein sur le code pénal. C'est ce que j'allais dire. Ah, il va y avoir le code pénal à faire. Je sais. Mais ouais. Je sais. Tout à l'heure, il y a Matt, il est venu, il m'a parlé de code pénal. J'étais là, oh, s'il te plaît. Ouais, je sais. Ouais. Je suis avec Matt sur le code pénal. On en peut plus. On se rappelle la V1 où t'as passé des nuits blanches dessus. Maintenant, là, t'es aidé. Ouais, c'est bien. Pas tout seul. On n'est pas tout seul. Ouais, c'est pour ça, Matt, dès qu'il m'a proposé, j'ai dit oui, parce que la dernière fois, j'ai passé 14 jours hein, dessus. Hein. Ouais, je m'en rappelle. Il y a toujours les super sportifs au niveau de Vinewood ou pas? Calme-toi, toi. Ouais, tu peux aller voir si tu veux, mais... Le truc avec les super sports, il y aura les super sports. Non, bah, elle s'appelle comment? Mais pas tout de suite. Happy GT classique, et celle-là, c'est la Alpha. Albany Alpha, précisément. Et elle coûte combien, la Alpha, que je rigole?
Mais je sais même pas si on l'a au début maintenant, parce que il y a. Il faut voir si elle a réussi à survivre au truc. Alors attends. Et du coup, Gary, c'est toi qui m'as piqué ma voiture ? Non, c'est pas lui. C'est celui qui était avec vous en haut là. C'est Alain. Il t'a joué ta voiture. Non, pour l'instant, elle n'y est pas dans les véhicules ouais, sélectionnés. Okay. Pour l'instant, elle viendra plus tard. Là, m'a volé ma voiture. Par contre, les deux autres voitures qu'il y a, oui, elles y seront. Je suis pas sûr que j'ai le droit de la prendre en fait. Mais si, tu peux. Ah, c'est bon. T'es chourave, ouais. Ouais. C'est les deux autres que tu veux pas toucher. Ça, c'est les preuves de balles. Tu peux même avoir les preuves de balles. Et ouais. Mais quoi, police ou. Ah, ils sont en train de faire des tests avec les de police. Touchez pas, on attend. Je vais pas aller bien loin. Hein. Pourquoi ? Essence. Il n'y a pas d'essence. C'est pour ça qu'elle était abandonnée là-bas au milieu du carrefour. Gary, je te déteste. Mais frère. Toi, tu m'as dit, vas-y, prends-la, prends-la. Et toi, t'es allé la prendre. Bah oui, on m'a dit je pouvais. Putain, mais je reconnais pas vos voix, les gars. Enfin, si, je reconnais un peu ta voix, toi, là, avec les cheveux blancs, là, mais. Oui, bonsoir, moi, c'était Davis. Alors, moi, t'es censé me reconnaître, on était en vocal Discord il y a 10 minutes. Ouais, bah, sur Discord et en jeu, c'est pas la même. Oula! Alias le forceur, si tu préfères. Voilà, tiens, t'en as un de véhicule là. Là, tu m'as reconnu. Merci, Razor. Ouais, le gars à qui j'ai évité un ban. Ok, allez, bisous. Au revoir! J'ai rigolé, mais c'est vrai par contre. Au revoir! Bon, allez, bref, c'est pas tout ça, mais moi j'ai un jeu. Allez, salut! Putain, manquerait plus qu'il écrase quelqu'un. Ouais. Non, c'est à moi que tu vas donner. Alors non, en fait, t'en avais une au sol ici. Ouais, je vais m'écarter s'ils font des trucs. Je vais les laisser faire. Je vais les laisser faire. Là-bas. Elle était toute propre, toute belle quand je te l'avais laissée. Elle est toute skétée maintenant. Mais ça va, c'est bon. Il sait se faire entendre. Et il menace juste avec la lampe torche, c'est bon. Et il est connu avec la lampe torche V1. C'est vraiment trop bien. Oula. Ça. Ouais, ils sont en train de s'amuser à chercher les preuves, quoi. Voilà. Donc, J'ai rien, là. Enfin, comme elle est dans le mur, je peux pas la prendre. Bon, quoi, t'attends, tire sur la Turismo, là. Oh, pauvre voiture. Oh, c'est bon. Elle était toute neuve, sortie de concession. Beau, bon, allez, je vous embête pas plus, des bisous, bon courage. Allez, à plus. Bon, allez, c'est travailler, les pauvres. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va pas les embêter plus, on va les laisser travailler. Ils sont en mode un peu staff. Ce que j'aime bien, c'est que la plupart des joueurs ils sont réunis là-bas en fait. 3-4 personnes là et t'as le reste là-bas en fait. Il y a tout le monde là-bas. Elle a du dépop la voiture depuis. Ouais, elle a dépop. On va aller en piquer une, puis on va rentrer à la villa, tranquillou pépouze.
Ouais, tourne pas. On va se diriger dans les quartiers riches, on va aller en prendre. Wow. Pas. Priez pour moi, mon Dieu. Franchement, je vais jusqu'au... Putain. Mais c'est quoi cette voiture? Oh, vas-y. Ah, tu vois, je suis en train de faire en plus qu'il est abouti. Putain, j'en peux plus, moi. C'est ma sortie. C'est sûr. Là, c'est une vraie tour. Dans tous les cas, ça sert à rien d'acheter une voiture. Vu que l'économie va être Z de toute façon. En fait, il est possible même. Je veux pas dire de bêtises. Mais il est même possible que tout ce qu'on a pu acheter soit. Remis à zéro, entre guillemets. Dans le sens où, bah. Les voitures que t'as achetées, tu les auras plus, machin. Ce qui paraît très normal. Du fait que bah, même l'économie est remise à zéro. On se fera une autre tenue. Ok, bah écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous aura plu, les copains. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, bah il est court. Voilà, je suis désolé pour l'instant. Demain soir, début du véritable RP civil qui commence, première soirée de RP. On aura l'occasion de rencontrer des gens et tout. On ira peut-être faire un tour au PDM. Histoire de... Voilà, histoire de commencer à... On va essayer de tisser des liens, de rencontrer des gens, machin. Ça va être le but de ce premier RP. Et vendredi, l'illégal commence. Vendredi, il y aura peut-être les autres. Déjà demain, je sais pas. Vendredi, peut-être, on va commencer à faire de l'illégal. Peut-être, on va voir. L'illégal sera ouvert vendredi. Demain,
RP civil, en mode on rencontre des gens et tout. À voir ce qu'on fera. Voilà, je vous laisse ici, rendez-vous demain. YouTube, s'il vous plaît, allez dans la description. Il y a un lien Twitch. Venez, venez en live. On est bien. On est bien en live. en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les copains. Attendez, je regarde juste un petit truc. Ok. Voilà. Donc, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à venir à me suivre sur Twitch. Ça me fait plaisir. On se retrouve demain soir en live, si ça vous dit. Portez-vous bien. Passez toutes et tous une très bonne fin de soirée, une très bonne journée ou une très bonne nuit. Et on se dit à demain. Et pour YouTube, bah, ça sera sûrement ce soir. Ça dépend à demain ou ce soir. Ça dépend quand c'est ce que j'aurai upload cette vidéo. Non, à ce soir. Elle sera upload de là, mais elle va être en mise en ligne pour demain. Enfin, demain midi, à peu près. Donc, je vous dis à demain soir Twitch et à ce soir sur YouTube. À ce soir YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre pour ne pas pour être au courant plutôt quand est-ce qu'il y a un live qui arrive. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'était Kitsu. Je vous dis bye bye et portez-vous bien. Et merci pour ce live. Des bisous.